Alors, la question de l'AFB est d'une fiscalité qui lui serait affectée. Oui, je pense que c'est raisonnable et ça me semble judicieux. Une taxe sur quoi ? Bah, par exemple, je vous donne une idée. On peut très bien, enfin, c'est pas une idée, c'est ce que nous proposons. Oui. On peut avoir des taxes évidemment carbone sur tout ce qui est transport avec terrestre. On peut et nous proposons d'avoir une taxe kilométrice. Vous revenez à l'écotaxe. Ah oui, nous revenons à l'écotaxe, mais nous allons plus loin. Qu'elle avait été nous pensons aussi qu'il faut, par exemple, faire en sorte de taxer les produits importés en France qui sont produits de manière écologiquement catastrophique et socialement, ça va sans dire, à l'extérieur. Donc il faut qu'il y ait une politique qui permette, à l'inverse du libre-échange, qui, j'irais, est une concurrence ouverte sans se soucier des questions d'écologie et sociale, il faut une politique qui, non seulement soit bonne d'un point de vue social, mais d'un point de vue écologique, qui soit exemplaire et qui, du coup, par capillarité, serait aussi quelque chose qui permettrait aux autres pays de s'aligner au fur et à mesure. Nous préférerions que cette politique soit à l'échelle européenne, mais s'il faut, nous l'appliquerons au niveau national. J'ai oublié de le dire. Allez-y. Nous refusons, par exemple, aussi, et ça a beaucoup lieu pour les déchets, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'eau, tout ce qui est politique de partenariat public-privé, dans lequel, très souvent, tout est à l'avantage du privé au détriment du public, et qui, là aussi, d'un point de vue de la question environnementale, n'est pas forcément la meilleure idée, la preuve sur la question des déchets, avec les incinérateurs qui continuent à être produits, alors qu'il faudrait passer à zéro déchet et au tout recycler.